Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins cette fois de Noël. Alors on a fait, pour donner les conditions sanitaires qui sont un pur bonheur, nous avons donc fait un Noël assez restreint, plutôt petite famille, et séparés en plus, les grands-parents d'un côté, pas d'enfants, parce que mes enfants jeunes adultes, bah oui, ils sont, on va dire, bah, d'ailleurs cas contact ou cas positif, comme il y en a plein en ce moment autour de nous. Et donc on a surtout mangé de beaux produits, pas tellement de la belle cuisine, enfin pas tellement fait la cuisine, on a surtout profité des beaux produits qu'on peut trouver en ce moment, et donc accompagner ça de jolis vins. Alors, à commencer par un morceau, voilà, un morceau. Alors, un morceau, donc, Les Genevrières de François Mikulski, dans le millésime 2011. Alors, c'était évidemment aussi un peu à dessein, puisque j'avais ma belle-mère polonaise à la maison. Donc, forcément, lui servir un morceau, mais de Mikulski. Voilà, même si j'ai jamais demandé à François, d'ailleurs, d'où venait, c'est probablement d'origine polonaise. Mikulski est un nom assez polonais. Alors, et le vin, me direz-vous surtout, parce que c'est ça qui compte quand même. Eh bien, le vin, il est superbe. Alors moi, Genevrière, j'adore. C'est peut-être voilà, le terroir que je préfère sur le fond à Meursault. Évidemment, j'adore Perrières, j'adore les Bouchères. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Mais j'ai quelque chose, voilà, une petite relation, une petite émotion avec les Genevrières particulières. Alors, qu'est-ce qui donne celui-là? Bah, on a un très beau nez, assez classique d'ailleurs, du beau Meursault, qui a à la fois le côté fruit, alors là, plutôt fruit blanc, et puis ensuite, belle note citronnée, et à la fois le côté d'élevage, mais tout juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que, oui, on a un petit peu, alors, d'un côté, une petite réduction, hein, c'est sûr, grillée à l'ouverture, mais qui s'estompe assez vite. Et puis, donc, les notes citronnées, chèvrefeuille, et puis tout d'un coup, une petite pointe gourmande, là, de beurre, de brioche, de brioche grillée, là, voilà, qui apporte plein de gourmandises. Sur ce nez assez droit, citronné, frais, et un fond, évidemment, alors, très amande, calcaire, voilà, hein, de la classique de ce qu'on trouve à Meursault. Et ensuite, c'est surtout en bouche, évidemment, que se fait le toute la chose d'un Genevrière, je trouve, parce qu'elle offre à la fois, alors là, entre autres, sur ce millésime 2011, évidemment, on a une bouche, alors, ample à l'attaque, tout de suite, une belle matière concentrée, voilà, ronde, avec presque un petit côté gras, mais voilà, mais par contre, elle reste ciselée, fine, précise, et surtout, elle a ce côté à la fois aérien, délicat, et cette puissance, là, renforcée par le millésime, parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur, de tension dans le vin. Donc de profondeur, mais surtout de tension, en fait, et donc presque puissant. Donc on a ce côté que j'adore, moi, dans les Genevrières, qui est belle matière concentrée, dense, aérienne, délicate, ciselée, et à la fois une belle puissance. Alors, souvent dans les Perrières, on a un peu le même type de structure, mais alors avec encore plus de puissance et de fond, je trouve, dans les Perrières, et à l'inverse, dans Bouchères, on a le côté très délicat aussi et aérien, mais avec un petit peu moins souvent de puissance, je trouve, que dans les Genevrières. Voilà, belle finale, fraîche, longue, sur ses arômes citronnés, chèvrefeuille, les petites pointes de beurre de brioche, là, un peu gourmande, et le fond d'amande, et ce très léger fond grillé, voilà, qui disparaît vraiment à l'aération, c'est pas du tout marqué, dominant ou quoi que ce soit. Très joli vin que ce morceau Genevrière de François Mikulski en 2011, avec par contre à la finale est vive. C'est là où on voit que 2011, c'est un millésime qui est un peu juste, je trouve. C'est un joli millésime en blanc, mais voilà, il y a quand même beaucoup de fraîcheur, c'est un peu vif en finale. Alors les amateurs de morceaux ou de vin bourguignon très tendu, ciselé, voilà, s'y retrouveront. Moi je trouve ça joli, mais ça manque un poil d'enrobage à la fin, un côté un peu plus, voilà, un peu plus rond et soyeux, entre guillemets. C'est le millésime qui veut ça. Ensuite, alors par contre, ensuite, on a ouvert ça. Alors, un château Larcisse Ducasse, un Saint-Émilion, donc 1990. Alors, comme disait Patrick sur Facebook, oui, ça n'est pas la meilleure période du château Larcisse Ducasse, certes.
Néanmoins, le vin reste très joli, reste un excellent vin. Très beau nez, alors surtout très beau nez parce que encore plein de fruits rouges, de framboises, de groseilles, voilà, c'est dominé par le fruit rouge. Donc très agréable évidemment d'avoir un nez de fruits sur un vin qui a 30 ans aujourd'hui, où il y a autant de fruits qui ressort. Ensuite, on a les belles notes assez classiques de cuir, de graphite, puis ensuite de champignons nobles, c'est presque truffé. Hein. Cèpe grillée truffe, puis humus sous-bois, et sur un fond assez classiquement, on va dire, de tabac, de boîte à cigares, mais très léger, hein, enfin très léger, je veux dire, c'est pas du tout dominant, c'est pas ça qui ressort. Donc on a vraiment un beau nez d'une jolie complexité. Voilà. Ensuite, en bouche, alors on a une bouche, on va dire, charpentée, belle structure à la Saint-Émilion, hein, voilà, c'est structuré, on sent voilà, le vin qui est carré avec des épaules. Une matière soyeuse, des jolis tanins soyeux. Alors après, c'est pas d'une grande densité. Oui, certes, on sent que, à mon avis, voilà, à l'époque, ils faisaient un peu dans le rendement. Ça, il n'y a pas de souci. C'est très frais. Il y a une jolie fraîcheur. On est toujours sur ce fruit rouge, groseille, etc. Et du coup, allez, si on veut dire quelque chose, ça manque un petit peu d'acidulé. Ça manque probablement d'un petit peu de maturité. Souvent, les beaux 90, on a un côté. Aujourd'hui, acidulé, friand, très agréable, quoi. Là, oui, on est sur le fruit rouge, mais voilà, il manque ce petit côté un peu acidulé, bah, un petit peu sucré, quoi, presque, qui vient rehausser tout ça. Et puis, on a une finale dans un profil plutôt sur l'amertume, alors qui est un petit poil marqué. Et là, je me dis, ah, bah tiens, du coup, ils ont peut-être un peu extrait à l'époque pour compenser les rendements. Voilà, je ne serais pas surpris. Mais ça reste un très beau vin avec une très belle complexité. La finale est longue. On est toujours sur ces fruits rouges, de framboises, de groseilles, les belles notes de cuir. Ensuite arrive le sous-bois, le champignon, le cèpe, presque la truffe, le côté humus et puis le fond tabac, boîte à cigares. Tout y est. Voilà, très beau Bordeaux à 30 ans, à maturité, encore plein de fruits. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est un excellent vin, même si bien sûr, probablement que ça aurait pu être mieux. Mais, les grands terroirs, et l'Arcis du Casse, hein, c'est des très beaux terroirs sur Saint-Émilion, eh ben, comme toujours, hein, les grands terroirs parlent toujours. Et ce vin que j'ai pu acheter à des prix à l'époque tout à fait compétitifs, hein, à peu près de l'ordre d'une trentaine d'euros, je crois 32 euros, j'avais pu acquérir 6 bouteilles à ce prix-là. Bah, croyez-moi, aujourd'hui, un vin à 32 euros de cette qualité-là, bah oui, enfin Bordeaux, hein, ça court pas les rues, voire, oui, il y a 30 ans après, enfin, je veux dire, voilà, c'est donc un très beau moment. Ensuite, on avait de belles huîtres fines de Clair, numéro 3, bio en plus. J'adore ce que les huîtres bio, ce qui me fait dire que peut-être qu'il y a des gens qui mettent des produits dans la mer pour que leurs huîtres ne soient pas bio, enfin voilà, je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, les huîtres étaient très bonnes. Et qu'est-ce qu'on a mangé, bu avec, pardon? On a bu ça, on a ouvert un Chablis premier cru, donc à nouveau 2011, hein, parce que moi je bois les blancs 2011, parce que je pense qu'ils sont arrivés là à maturité, je ne suis pas sûr qu'ils apportent encore beaucoup, beaucoup. Par contre, là, ils sont vraiment très bien. Pour preuve, ce Montée de Tonnerre, donc des frères Drouin, Chablis. Donc très beau cru, hein, très beau premier cru Montée de Tonnerre à Chablis. Et là, ça se confirme avec ce vin. Alors, ce vin droit, sans concession, un beau Montée de Tonnerre là, au nez très si pomme, puis ensuite à nouveau assez citronné. Ensuite, on a les notes comment dire, de mousseron, presque d'herbe fraîche, voilà, et sur le fond un peu coquille d'huître et roche, voilà, on est vraiment là-dessus. Et surtout, c'est la bouche, quoi. La bouche, elle est droite, elle est puissante, presque. Elle est tendue. Belle matière qui enrobe ça quand même. Mais on est vraiment sur le vin ciselé, droit, puissant, de bout en bout, finale, fraîche, puissante. Juste la matière qu'il faut pour enrober ça. C'est juste, hein. Mais par contre, ça enrobe bien. Quand même, et surtout on a un sentiment de puissance. Voilà, c'est un vin droit,
comme je disais, un peu sans concession, voilà, sur la pomme, le citron, ensuite les notes de mousseron, d'hermine, de ce côté fond de coquille d'huître. Voilà, c'était parfait sur les huîtres. Et ma foi, c'est un très joli vin que ce Montée de Tonnerre 2011. Ensuite, on a ouvert un vin de l'ami Michel, parce qu'il n'y a pas de raison, il faut se faire plaisir. Et alors, donc j'ouvre le vin, je le sers à Sylvia, et là, Sylvia, tout de suite, waouh, elle était aux anges, donc j'étais ravi. Sans même savoir que c'était un vin de Michel, bien sûr. Enfin, si, elle a goûté, elle dit, mais c'est un vin de Michel, ça. Voilà, ce très beau Pfersichsberg, donc, et c'est Hortel Vieille Vigne 2012, donc en Riesling. Et ma foi, c'est un très beau vin. Alors, j'en avais ouvert une en début d'année, puis j'avais dit, ah tiens, sur cette bouteille-là, elle était un peu entre deux eaux, là. Sur cette bouteille-ci, pas du tout. Le vin, il est à maturité, il est parfait. Moi, j'adore. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, j'adore ce type de Riesling. Très beau nez. Alors, on est sur la prune, la Quetsche, presque allez, la Mirabelle. Alors, je sais que quand je dis ça, certains disent, ah oui, mais la Mirabelle, c'est quand c'est un peu trop too much, trop de maturité, ou trop de ceci, ou trop de cela. Mais moi, c'est ce que ça m'évoque. Ensuite, on a des belles notes d'agrumes, voilà, de pamplemousse, de pomélos. Ensuite, un côté floral, de fleur d'oranger, qui est très élégant, et un fond, alors entre léger, on va dire léger pétrole, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonds terpéniques un peu, et un côté massepain, c'est-à-dire amandes, pain d'épices, voilà, quelque chose dans ce goût-là, qui est à la fois friand et à la fois c'est profond, voilà, c'est vraiment très beau, tout ce que j'aime. Ensuite, belle bouche, tout de suite ample, du volume, mais de la précision. C'est à la fois plein et délié. Très belle matière. C'est ensuite frais, profond, mais superbement enrobé. Donc tendu tout du long, avec presque un petit sentiment de puissance, mais tout en délicatesse. Belle finale, longue, sur donc ce côté prune, Mirabelle, voilà. Ensuite, les belles notes de pamplemousse, de pomélo, ce mûr, donc c'est friand. Il y a ce côté, les notes florales, de fleurs d'oranger, par exemple, et ce fond léger pétrole que j'adore. Et puis, un petit côté, donc, je vous dis, un peu massepain, là, pain d'épices, amandes, voilà. L'amande avec un peu d'épices, quoi. C'est waouh, c'est vraiment, moi je trouve, un très beau vin. Je lui ai mis 18. Alors après, pour moi, on est vraiment dans le Riesling calcaire qui a maturité, magnifique équilibre. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir un peu, peut-être un peu de sucre, allez, 5-7 grammes peut-être, j'en sais rien. Mais ça goûte hyper sec aujourd'hui, hein. Goûte pas du tout sucré. D'ailleurs, peut-être pas, peut-être qu'il y a même moins de 5 en fait, hein. Mais par contre, voilà, il y a une plénitude, une rondeur dans ce Riesling que je trouve très abouti. Voilà. Et ça fait très calcaire. Enfin, pour moi, voilà, on est sur le Riesling calcaire de maturité, que moi j'aime beaucoup. Alors, les amateurs de Riesling vifs, tranchants, etc., là-dessus, bah, ils vont dire que c'est bon, mais c'est pas leur, voilà, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Moi, j'aime bien les deux. Voilà, je trouve ces deux styles sur calcaire qu'on peut trouver. Et pour moi, là, on est vraiment dans le sommet de ce qu'on trouve, voilà, en termes de maturité, d'équilibre, d'un beau Riesling calcaire. Voilà. Bon, enfin, je vous ai peut-être fait trop l'article d'ailleurs, mais parce que j'adore ce vin. Voilà, merci Michel au passage. Et puis, alors, ce soir, il reste quelques huîtres. Et donc, j'ai ouvert un autre vin qui va bien sur les huîtres. Qui est un Côte du Roussillon, oh là là, eh ben oui, un Côte du Roussillon, donc du domaine des Schistes, à Cazotte d'Angora, le Grenache. Le Grenache gris, le 100% de Grenache gris de nos amis des Schistes. Et pourquoi? Bah parce que déjà, c'est aussi un accord local. Même si mes huîtres ne sont pas de Bouzigues, de l'étang de Thau, hein, faut se rappeler qu'à côté de Perpignan, il y a l'étang de Thau, on fait ce qu'on appelle les huîtres de Bouzigues, et il y a même du vin blanc juste là, qui est le alors ça doit être le Picpoul de Belley, non pas de Belley, de Pelley, je crois, voilà, qui est à côté de Pomerol. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, ça, parce qu'il y a du Pomerol aussi, du coup, du côté de Perpignan, enfin Pomerol. Mais voilà, là, j'ai plutôt opté pour le grenache de nos amis du schiste.
Eh bien oui, ça marche bien aussi avec les huîtres, les côtes du Roussillon blanc. Ça marche même très très bien. Et là, on a un très beau. Alors même si moi tout de suite je mets le nez là-dessus, j'ai l'impression d'être en été, alors qu'il fait froid, on est en plein hiver. Mais parce que voilà, je vais à Perpignan l'été, donc du coup, c'est là-bas que je goûte ce genre de vin. Mais voilà, qu'est-ce que c'est joli, et c'est un très beau nez. Alors de fruits blancs à nouveau, de pommes, mais il y a quand même des petites notes de pêche, hein, un peu quand même. Et ensuite, ce qui fait bien l'accord, c'est ces fameuses notes qu'on retrouve un peu dans le Chablis d'ailleurs. Hein. Et souvent en aveugle, en pur aveugle, moi, les copains, j'en ai plusieurs qui m'ont dit des Chablis sur un Côte du Roussillon blanc. Parce qu'on a ces notes d'herbes fraîches, de foin séché, ouais, ou d'herbes fraîches. Enfin, voilà, ces notes un peu assez végétales, qui sont très très jolies. Même si là, derrière, on sent bien un petit côté pêche guimauve, entre guillemets, et un fond, et un joli fond qui est presque cire d'abeille d'ailleurs. Et ensuite en bouche, on a une bouche avec de la fraîcheur, alors qui est un peu aidée par le gaz, hein, un petit peu de gaz dans le vin, mais c'est très belle structure, c'est ample, jolie matière ronde, c'est très aromatique. À nouveau sur la pomme au départ, le fruit blanc, la pomme, puis ensuite on a les petites notes presque pêche, et puis ensuite le côté floral, alors entre violette, guimauve, et qui arrive, ces fameuses notes de foin séché ou de foin humide comme on veut, mais ces notes un peu végétales, fraîches, voilà, une petite pointe calcaire là, presque, alors pas calcaire, une petite pointe de roche sur... Dans ce fond un peu cire d'abeille, c'est très joli, très belle persistance. Et donc oui, ça marche aussi très bien sur les huîtres, ce type de vin. Voilà, j'espère que vous avez tous passé de belles fêtes. Et puis, on risque de se retrouver pour les fêtes du jour de l'an, qui à mon avis ne seront pas très festives. Donc on va nous faire des dîners en petit comité. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine. Salut!